Salut les amis. Il existe de nombreux endroits isolés dans le monde, là où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Mais comment peut-on savoir si personne n'y a été ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des îles habitées, mais la plus reculée du monde et de la communauté la plus isolée de la planète. Commençons. Une ferme romantique au bout du monde. On pourrait donner une telle description à une petite ville située quelque part dans l'océan entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, officiellement sous la juridiction du gouvernement britannique. Les touristes sont des invités rares ici, et les autorités officielles ne rendent pas visite pas plus d'une fois tous les quelques mois. Par conséquent, la vie calme et mesurée de la colonie se poursuit comme d'habitude. La ville porte le nom poétique Édimbourg des Sept Mers et est située sur l'une des îles de l'archipel Tristan da Cunha, qui fait partie d'un volcan actif s'élevant au-dessus de l'eau et porte le même nom que l'archipel. La superficie de Tristan da Cunha est de 98 km², mais une grande partie de ces kilomètres est occupée par les pentes du volcan. L'éruption de 1961 a contraint les habitants à quitter d'urgence leur village natal, détruisant simultanément le port. Mais deux ans plus tard, l'infrastructure a été restaurée et l'écrasante majorité des résidents locaux sont retournés dans leur terre natale. Les habitants de l'île de Tristan da Cunha sont les descendants des premiers colons venus sur ces terres au 19e siècle. On suppose que le territoire près de l'île de Sainte-Hélène, où Napoléon s'est exilé, a été annexé par les Britanniques afin d'empêcher l'empereur de fuir. On ne sait pas comment ils ont réussi à faire cela étant à 2000 km, mais apparemment les Britanniques voulaient que l'île puisse être une base de transbordement pour les Français. Sur la place principale d'Édimbourg les Sept Mers, un panneau mondialement connu est installé, avec la distance de différentes villes. Londres, Oslo, Le Cap, Rio de Janeiro et d'autres. Par ailleurs, en parlant des distances, la colonie la plus proche d'Amérique du Sud, qui est Rio de Janeiro, qui se trouve à 3360 km, ou sinon, Le Cap en Afrique est à 2000 km. Par conséquent, la ville est isolée des autres par des milliers de kilomètres. Les voies de communication entre l'île et le continent n'existent pas, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Le port de la ville n'est pas adapté à l'amarrage de gros navires. Une fois tous les 1 à 2 mois, les passagers et les marchandises sont accueillis à l'entrée de la baie sur de petits bateaux. Mais en cas de tempête, les navires peuvent passer à côté. Le seul espoir de quitter l'île est les rares touristes de passage qui y viennent sur des bateaux loués. Les technologies arrivent ici avec beaucoup de retard. L'internet lent existe sur l'île depuis seulement quelques années. Il n'y a pas assez de carburant diesel et de ressources énergétiques. Par conséquent, les habitants d'Édimbourg des Sept Mers, sous la direction du maire de la ville, ont décidé de procéder à une urbanisation légère du village, afin de passer technologiquement aux sources d'énergie renouvelables. Tout n'est pas si mal en termes de nourriture. La ville est autonome, donc les insulaires ne craignent pas la famine. Ils cultivent la terre, font paître les moutons et pêchent. L'île dispose d'une installation de production pour la capture, la transformation et l'emballage des homards pour la vente aux Japonais, qui sont prêts à débourser des sommes conséquentes pour ces friandises. La ville est petite, il y a un médecin et un policier, une école, un café, un magasin et un bureau de poste pour toute la ville. Mais il y a deux églises, anglicane et catholique. Pourquoi une ferme collective ? Les terres de l'île appartiennent collectivement aux 217 habitants de la ville. Ils sont tous parents, mais avec 9 noms de famille différents. Enseignants, policiers sont envoyés par le gouvernement pour une durée de 3 ans. Les étrangers sont les bienvenus ici, mais pas trop. La terre n'est pas fournie aux migrants. Il faut se débrouiller, donc les nouveaux arrivants ne restent pas longtemps. Les habitants parlent anglais, mais celui des régions du nord de l'Angleterre, de l'époque du 19e siècle. Les conditions climatiques de l'île sont classées comme océaniques. Le thermomètre descend rarement en dessous de 10 degrés, même en hiver, mais il ne monte pas non plus au-dessus de 24 degrés. Il faut comprendre que 24 degrés est un temps chaud pour Tristan. En été, vous pouvez attraper un coup de soleil en quelques heures. Les insulaires doivent supporter des vents constants. Avec les rafales, les riverains construisent des abris même pour les voitures. Non pas pour la pluie, mais plutôt à cause du vent pour ne pas se laisser emporter. Le linge est séché sur des murs ensoleillés contre le vent.
Une méthode naturelle de lutte contre les vents sont des buissons de l'Inde-Nouvelle-Zélande qui sont plantés autour du périmètre car cette plante est considérée comme une mauvaise herbe assez agressive. On ne les laisse pas se propager, mais de puissantes pousses faisant trois fois la taille de l'humain protègent bien contre de fortes impulsions. Telle est la ville de l'océan, nommée auprès du fils de la reine d'Angleterre, qui était venu visiter la colonie. Ce sera tout les amis. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt !